Pour quelle raison là cela? Ben nous là pour porter soutien à UGDG et nous là parce que si on attaque un secrétaire général, c'est comme si on attaque un préfet en Guadeloupe pour nous. Donc nous obligés être là. Élie Nouta qui c'est secrétaire général à l'UGTG. Nous a rappelé UGTG c'est un plus grand syndicat en Guadeloupe. Donc le l'État français qui a attaqué secrétaire général là, plus gros syndicat là, nous a tout comprendre que c'est un message qui a envoyé à tout travailler. Tout syndicat va tout travailler et nous répondre présent c'est un message nous a envoyé pour l'État français aussi pour nous dire pas faire ça. Pas faire ça parce que là qui a attaqué Élie Nouta c'est nous qui a attaqué. Et nous pouvons laisser au marché si nous comme ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce que nous disons, nous, à Journal Rebelle, c'est que derrière les militants comme Domota ou Nomertin ou les autres militants ou les syndicats, c'est les travailleurs qui veulent attaquer. C'est les travailleurs qui, justement, au quotidien, souffrent de ces conditions de chômage, des conditions de travail. C'est eux qui veulent attaquer. Est-ce que maintenant, on a besoin de museler les syndicalistes? En fait, c'est l'objectif recherché, faire peur aux syndicalistes parce que c'est le dernier rempart pour la liberté des travailleurs. Et là, aujourd'hui, on cherche à attaquer le leader emblématique. Et si on perd ce procès, tout sera fini. Le petit syndicaliste, le salarié normal, il ne pourra rien faire. C'est tout à fait l'objectif recherché. Nous sommes à un tournant. C'est soit on gagne, soit on meurt. Il y a un montage qui est fait par un patron puissant qui a cru effectivement qu'il pourrait avoir à sa disposition le tribunal pour sanctionner le UGTG. Parce que c'est le syndicat le plus puissant en Guadeloupe et que son leader a une autorité qui dépasse les intérêts des salariés, mais qu'il a pris à sa charge l'intérêt de tout le peuple. Donc aujourd'hui, c'était une histoire de règlement de compte. Alors il est vrai que M. Domota, c'est avant tout un syndicaliste, mais c'est aussi quelqu'un qui s'est engagé pour la souveraineté du pays, et tout ça fait qu'il gêne. Et chaque fois que le système pourra, à travers sa justice, je dis bien sa justice, c'est-à-dire une justice blanche et sèche, je le dis toujours, il suffit de voir comment est composé ce tribunal, avec un président blanc, français, et également des juges également blancs, un procureur blanc, dans un pays où rien n'a changé depuis, je dis 1848, mais même avant, depuis le Code Noir à aujourd'hui, rien n'a changé. Et je crois qu'un tribunal est toujours l'illustration d'une société. Et ce tribunal, eh bien, il reflète le fait que, comme l'a dit Maître Evita, nous sommes dans une république coloniale.